Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes jeux sur le thème d'Harry Potter pour apprendre le français. Voyons aujourd'hui comment écrire le son « on » dans une phrase. Dans une phrase, le son « on » peut s'écrire « on » ou « ont ». Pour savoir comment écrire le son « on », il suffit de mettre la phrase au passé. Si le son « on » ne change pas, on écrira « on » O-N. Exemple. On a des cheveux. On avait des cheveux. Le son on ne change pas. On écrit on. O-N. Ils ont des cheveux. Mettons cette phrase au passé. Ils avaient des cheveux. Ici, on change. Donc, on écrira on. ONT. Je vous propose de passer à un petit jeu sous forme de dictée corrigée. Je vais vous laisser quelques instants pour écrire la phrase, juste avant la correction. Ils ont une potion à préparer. Ils ont une potion à préparer. Ils ont une potion à préparer va s'écrire ONT. Car ici, si on met la phrase au passé, ils avaient une potion à préparer. Ici, le verbe change. Donc, on, ONT. Une autre phrase. On doit suivre la recette. On doit suivre la recette. On doit suivre la recette. On va s'écrire ON. Car ici, si on met la phrase au passé, on devait suivre la recette. On entend toujours le son ON. Donc ici, ON, ON. Une troisième phrase. Ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Ici, on va s'écrire ONT, car lorsque l'on passe cette phrase au passé, ils avaient de la chance, on n'entend plus le son ON. Donc ici, on va s'écrire ONT. Ils ont de la chance. Une quatrième phrase avec les ingrédients ont du goût. Les ingrédients ont du goût. Ici, on va s'écrire ONT. Car si l'on change cette phrase au passé, les ingrédients avaient du goût. Ici, on n'entend plus le son « on ». Donc, il s'agit bien du verbe. Ici, on va écrire « ont ». Une cinquième phrase avec « on ne doit pas changer les doses ». On ne doit pas changer les doses. Ici, on va écrire on, O-N. On ne doit pas changer les doses, car si on met cette phrase au passé, on ne devait pas changer les doses, on entend toujours le son on. Donc, on écrit O-N, on. Une dernière phrase avec les potions ont mauvais goût. Les potions ont mauvais goût.
Les potions ont mauvais goût. Ici, on va s'écrire ONT. Car lorsqu'on passe cette phrase au passé, les potions avaient mauvais goût. Ici, on n'entend plus le son ON, mais avait. Ici, on écrira donc ONT. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent pour compléter vos connaissances. Merci de votre attention, au revoir et à très bientôt.